J'étais à Dalwa étudiant et je suis arrivé à la cité universitaire. J'ai croisé une fille. Comme la fille était d'une famille chrétienne, maintenant pour gagner le cœur de la fille, il fallait que je parte à l'église. Mais avant d'aller à l'église d'abord, on ne prend pas quelqu'un sur la route pour aller à l'église avec elle. Tu allais voir sa famille au moins. Elle t'a amené dans sa cour familiale. Elle m'a amené dans sa cour familiale. En fait, pour l'approcher, elle a décidé d'être son maître de maison. Ah, toi, tu es bien. Tu as décidé de l'enseigner d'abord. Voilà, j'ai décidé de l'enseigner. Ah, d'accord. Ça, vu que je suis étudiant, donc j'ai décidé de l'enseigner. Voilà, c'est dans ça que tu as profité pour connaître voilà. La fille. Non, comme j'ai commencé à côtoyer la fille, ta maman a commencé à m'appeler, m'inviter les dimanches pour aller à l'église. Pour toi, la fille, comment hein? Tu vas venir aujourd'hui enseigner mon enfant, puis puisqu'on te dit allons à l'église. Bon, j'étais avec l'église, mais c'est une femme aussi qui évangélise. Hein? Voilà, donc elle va m'inviter dans à l'église. Dans sa prière, non, elle a vu que l'enseignant là, peut aller à l'église avec nous. Oui. Ah, d'accord. Donc elle m'envoie à l'église. Mm-hmm. Donc maintenant, moi, je partais à l'église en réalité. Je ne partais pas à l'église. Je ne partais pas pour Dieu en quelque sorte. Je partais pour la fille. Ah, je partais pour la fille. Alors, donc la fille, quand elle sort du culte, moi, je sors. En tout cas, c'était pour elle que moi, je partais à l'église. Tu es sorti avec elle? Ouais, ouais. Tu l'as couillé? Non, je demande si tu as fait l'amour, tu l'as couillé. On sortait ensemble. Sorti, toi, on peut sortir. Nous deux, on peut sortir. Tu suis à la porte, hein? Nous deux, on peut sortir. Tu as couché la femme, là? Oui, oui. Alors, mais c'est tout. Tu sortais avec ça, nous tous, on sort. Toi et moi, tu sais, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti pour aller au dehors. C'est non, bon. Toi et moi, on n'est pas sorti. On est sorti. Alors, mais donc, tu te demandes si tu es sorti ou bien si tu l'as couillé. Oui. Ah, tu l'as. Non, ton oui, là, je comprends. Tu as couillé la fille, là. Oui, en tant que jeune. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un. Je ne parle pas de dire en tant que vieux. Vieux aussi couillé. J'ai dit, oui. Quand tu es sorti avec la fille, là, est-ce que tu ne l'as pas couillé? Oui. Ah bon, c'est tout. C'est ce que je veux savoir. Tu es en train d'entraîner. Tu t'en es sorti. Moi, votre ton mot de sortir. Moi, chez moi, là. Oui. Gourmet secret, c'est bébé. On n'est pas dans le film. Tu es sorti avec la vieille, je l'ai couillé. C'est tout. À travers les enseignements des pasteurs, temps, là maintenant, commencé à me consacrer à Dieu. Je lui ai dit à la fille que les choses qu'on faisait dans le passé, qu'on arrête. Quelles choses vous faisiez dans le passé? Il y avait quelles choses? Comme on sortait ensemble dans le passé, là, hein? Qu'on arrête. C'est toi qui as dit à la fille encore, vous n'avez qu'à arrêter. Uh-huh. Mais si toi tu as dit à la fille d'arrêter, toi tu ne vas pas avoir gourmet. Hmm? Si toi-même tu as dit que ce n'est plus la peine. Mais lui, non, non, je n'ai pas encore arrêté. Il dit encore se consacrer à Dieu parce qu'on doit se marier. Écoutez-moi, j'ai dit, tu prends que quand tu me regardes comme ça, ou bien tu as une fois joué avec mes poils, c'est quand tu m'as déjà couché que tu peux me prendre sur le tableau. Tu n'as jamais joué avec mes poils. Moi, je te parle, regarde-moi yeux dans yeux. Je te regarde le moment. J'ai dit, oui, oui. Tu n'as jamais joué avec mes poils qui sont en bas de moi. Tu ne connais pas les grains qui sont là-bas. Et regarde, moi, je ne suis pas dans ton film. Toi, tu ne veux pas dire à une personne que je ne veux plus de toi. Et puis, brusquement, calmement, puis tu vas lui dire encore tu as le gourmet. Tu viens de me dire que quand tu allais, elle était dans l'école, tellement que tu étais fan d'être, tu étais obligé d'être maître pour aller l'enseigner. Oui, oui. Ça veut dire qu'on va dire maintenant les maîtres qui viennent enseigner nos enfants à la maison, faites très attention. Ce n'est pas tout le monde qui vient pour papier. Il y en a qui viennent pour les couillotions. C'est comme ça que tu es en train de commencer avec nous. Tous les enseignants, maintenant, on va leur dire, les maîtres de maison, là, ils ne viennent pas pour, derrière notre, pour venir donner cours à nos filles. C'est pour les couillements. Parce que toi, tu viens de témoigner. Il n'y a pas de. Dans la, je ne vais pas être exclu, tout cela. Ou bien vous levez souvent, tu mets dedans. Il y a des petits trucs comme au bout de tes seins, caresser, tout ça. Elle ne te faisait pas tout ça. Non, je te demande, tu es assis là comme ça, tu es sûr que toi, c'est parce que Dieu est rentré dans toi, les tests, on peut prendre la langue au moins pour tourner derrière les tests, on ne fait pas tout ça pour toi. On te suit, c'est fort que la fille t'a fait, bah, toi tu es chrétien. Quand tu as fait ça, ça a sauvé tes cheveux, c'est ça, tu sais pas ce qu'il faut raconter. Moi, chez moi là, mon âge, il faut laisser ça, vieille, il faut laisser ça. Moi, j'ai un pipé. Il faut qu'on te couille bien. Au fait, elle est gentille. Elle est très gentille. C'est, tout le monde est gentil. Il n'y a pas de mauvais sur la terre. Et puis elle est belle. Elle est belle, au fait. Ça, donc c'est sa beauté, elle est la seule fille qui est belle sur la terre là. Non mais c'est elle que moi mes yeux ont vue. En fait, c'était l'ange. Ou bien tu avais un problème, tu es impuissant, ta pile là ça marche plus. C'était l'ange par lequel. Non, on dirait que tu dois être impuissant. Parce que ceux qui sont impuissants qui parlent beaucoup. Ah, si Dieu. Ta pile a un problème, il faut nous dire à un coin où on peut régler ça. Tu dis quoi? Mais tu dis quoi comment? Comment à ton âge là, tu ne peux pas baiser une femme? Tu es là que je dis quoi? C'est à moi tu parles comme ça. Si ta pile ne marche pas, il faut dire la vérité. Elle est belle. Non, à ton âge là, tu parles de beauté de quelqu'un. Quand tu es un Dieu là, c'est des choses que tu ne dois plus faire. Oh, laisser affaire de Dieu. Ici, c'est pas église. Quand on ne connaissait pas Dieu là, c'est là où on faisait ces choses. Mon antenne ici, c'est pas une histoire d'église. Il n'y a pas église. Ici, c'est une maison de Dieu. Tout le monde est Dieu. C'est oui. Dieu même qui a fait la louverture. Mais Dieu, oui. Il fait sieste aussi. Alors, attends, il ne faut pas l'emmener. Dieu. Toi, mais quand tu dors, puis les enfants crient, ça ne t'embrouille pas. Je n'ai pas de couillement. Moi, mon antenne, ça fait de couillement. J'ai dit, elle t'a couillé comment?
problème de couple, sous pression, déception amoureuse, suivez votre nouvelle émission Gourmet Sucré, une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités arbitrés par la sœur Laure de Tout le Pleu avec ses conseils bien pimentés. Ne rate surtout pas Gourmet Sucré tous les vendredis dès 21h sur Ivoire TV Musique, canal 209 de Bouquet Canal.